très satisfait dans la mesure où on rencontrait un adversaire très costaud. Bon, je crois que c'est, j'ai le sentiment que c'est une victoire méritée, hein, parce que bon, on a eu quand même pas mal d'occasions, on a frappé sur les poteaux. Bon, eux, leur seule véritable occasion, c'est sur ce dégagement dévissé de Mamad Ndiaye, une situation chaude en première mi-temps sur un centre dégagé au deuxième poteau par Aloïs Confé. Sinon, on a été très solide défensivement, on a contrôlé leur jeu d'attaque et on a su toujours se montrer très dangereux offensivement. On peut regretter de ne pas avoir été capable de marquer ce deuxième but, mais on a essayé, on a frappé les poteaux. À la fin, il y a un double ou triple arrêt d'Elana qui maintient son but. Donc voilà, je suis fier de mes garçons parce qu'on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis plusieurs semaines. Alors bien sûr, sur les dernières semaines, ça se concrétise par des victoires. Mais voilà, il y a des choses qui se sont passées lors de la réception de Niort, lors du déplacement de Nîmes. Et on en récolte les fruits aujourd'hui, donc de tout ce qu'on a semé. Il y a une mentalité de travail extraordinaire dans ce groupe et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça longtemps. On s'est tous posé la question, est-ce que la trêve n'aura pas cassé notre dynamique, nous aura pas stoppé dans notre élan? On a la réponse ce soir, pas du tout, malgré quatre titulaires indiscutables absents. Quand même des garçons comme Giraudon, Dingomé, Obiang et Cordoval, c'était pas n'importe qui. On a montré qu'on a une profondeur de banc, que ce groupe est riche de qualité. Voilà, l'image à l'instar d'un garçon formé au club, Randy Gauthény, qui nous fait une très bonne rentrée ce soir à un moment donné où il fallait amener de l'impact et de la présence athlétique. Donc voilà, je trouve qu'on va dans la bonne direction. Maintenant, à nous de garder la tête froide, de ne pas s'enflammer, comme on dit dans le football, de garder les pieds sur terre, de rester humble, de se remettre en question au quotidien dans le travail, de chercher tous les jours à être un petit peu meilleur. Et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à gagner quelques matchs encore. On est bien situé, quoi. Compte tenu, rappelons-nous qu'à la troisième journée, on avait 0 point. Donc c'est vraiment bien d'être à 18 points aujourd'hui. Donc, mais comme je disais à vos collègues, c'est surtout intéressant parce qu'on n'a pas à regarder derrière nous. Et c'est toujours embêtant de regarder le classement derrière. Et ça crée une pression qui nous inhibe. Donc là, on est un petit peu plus tranquillisé par rapport à ça et on peut préparer les matchs avec beaucoup plus de sérénité. Après, entame pas très bonne de notre part, où ils ont des situations. Et puis, on prend le but à la 45e, dans les 30 dernières minutes, où on est vraiment mieux et on commence à être mieux qu'eux. Et le doute commence à s'installer chez eux. Et on fait deux erreurs consécutives qui amènent l'ouverture du score. Et après, la deuxième mi-temps, on a couru derrière ce score. On a tenté, osé, mais manque de poids offensif, manque de percussion. Des situations, très peu d'occasions. À l'inverse, 3, les balles de 2-0, ils le mettent pas. Et puis on peut éventuellement, sur le défenseur qui dévie sur sa transversale, revenir avec le nul. Après, il faut que je revoie le match pour savoir si c'était mérité. Mais en tout cas, pour nous, c'est pas suffisant ce soir. Bah, prudent, vous allez à 3, vous êtes à l'extérieur, vous êtes en Ligue 2. On n'allait pas se livrer corps et âme sur une équipe où il y a des joueurs qui vont vite vers l'offensive. C'était l'objectif, c'était ce qu'on avait préparé. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je crois que dans l'utilisation, on a eu plus la maîtrise qu'eux. On a eu beaucoup, beaucoup de centres à faire. Il y a eu des situations dangereuses devant leur but. On n'a pas su les mettre. À l'inverse, eux, ils ont été réalistes à la 45e et ça a suffi à leur bonheur. Alors voilà, on rentre. Et puis, il y a un gros match à préparer contre Orléans le week-end prochain. Si on a notre première victoire à Mezzavie, ce serait bien.